T'avais-tu peur de ça quand tu te mettais les mains là-dedans au début? Ben, je trouvais que c'était un petit peu dégueulasse. C'est le lombricompostage qu'on fait. On aime ça s'occuper des vases qui nous fait du beau compost pour nos plantes. Pour mettre le compost, tu creuses 2 cm dans la terre et tu l'installes. Moi, j'aime ça m'occuper des vers, puis comme... j'ai nourri presque à chaque... Ben, pas à chaque jour, mais à chaque semaine, là. Qu'est-ce que tu leur donnes pour nourriture à tes vers? Des pelures de carottes. Ouais. Des piments, des fois. De la salade. Mettez-vous de la vinaigrette dans votre salade? Non! Des poches de thé. Des croûtes de pizza. Des croûtes de pizza? Pour vrai, les vers aiment la pizza? Puis à chaque fois, t'es nourri, il faut que t'es enfoui dans la terre parce que sinon, il va tout avoir des bébés blanches qui vont monter en haut. Les pleurs d'orange et etc., ça, faut pas en mettre trop à cause que c'est acide, beaucoup acide. Vincent, toi, qu'est-ce qu'on fait avec la litière quand on fait le vermicompost? Ben, il faut qu'on mette dedans, de la terre noire pure, du sable fin. Du papier journal déchiqueté, de l'eau. Ben de l'eau, une quantité comme une éponge mouillée. Des coquilles d'œufs écrasées pour le calcium. C'est fun, puis moi, ça fait 3 ans que j'en fais. 3 ans? Puis qu'est-ce que tu fais avec ton compost? Ben moi, je m'en vais les donner à mes voisins ici, parce que nous, on n'a pas de plantes. Si on n'a pas de plantes chez nous, on peut aller prendre une marche. Puis si on rencontre un petit arbuste, on peut mettre le compost alentour de le petit arbuste. Alors, à la maison, les parents me disaient, on peut plus rien jeter, là, tout, on se fait chicaner. Alors, je pense que c'est ça. Moi, je trouve que ça leur apporte des valeurs de base. T'sais. On sort des jeux électroniques, on sort de tout ça, là, puis on s'en va dans la terre, dans le vrai. Là. Les enfants sont contents de partir avec leur petit sac qu'on appelle de l'or noir. Là, ils partent avec leur petit sac à la maison, puis c'est la fête. Allez, attends, tu peux me placer les cheveux, là. OK, vas-y. Une fois que le compost est prêt, après 6 mois, ben, on peut le mettre dans des plantes, ça a de l'air à ça. Je suis convaincue que ces enfants-là, ce sont des enfants très, très allumés. Puis, c'est des enfants qui se préoccupent beaucoup des problèmes présentement. Puis, ah oui, moi, je suis certaine qu'eux vont nous sauver.